les gens, c'est Monsieur Apple, plus connu sous le nom de la Gamer Family. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto comment booster sa connexion Internet. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Donc, tout d'abord, vous devez aller dans le menu Démarrer. Vous allez aller dans Panneau de configuration. Normalement, là, tout est simple. C'est assez simple. Donc, vous allez aller dans Réseau et Internet, afficher l'état et la gestion du réseau. Puis après, vous allez aller dans connexion réseau sans fil. Hop, voilà. Donc vous allez arriver sur cette petite fenêtre. Donc quand vous arrivez ici, bah, vous cliquerez sur propriétés. Et là, vous allez aller dans. Si je me souviens bien, c'est là-dedans. Oui, c'est ça. Donc. Ok, attendez, moi je l'ai déjà fait, donc je vais le mettre comme ça. Donc vous vous occupiez pas du tout du haut, donc nous on va s'occuper du bas. Donc vous allez cliquer sur utiliser l'adresse du serveur DNS suivante. Donc là vous allez mettre 8, 8, 8 et encore 8, donc 8 4 fois. Après vous allez mettre 8, puis encore 8, puis 4, puis 4. Voilà, donc quand vous allez arriver ici, vous cliquerez sur valider les paramètres en quittant, puis sur OK. Donc cette petite fenêtre là, on peut la fermer. Donc là normalement il va y avoir voilà une petite détection des problèmes. C'est pour mettre à jour le serveur. Donc, normalement ça prend pas extrêmement de temps. Ça devrait pas être aussi long que ça. Normalement, ça doit pas être aussi long que ça, mais ça dépend de. Voilà, ça dépend des ordinateurs. Donc maintenant, vous allez cliquer sur fermer, puis encore fermer. Donc cette fenêtre-là, vous pouvez la fermer. Et donc, hop, voilà. Et ça, on peut fermer aussi. Donc, bien sûr, je tiens à préciser que ça sera pas une très grande accélération au niveau de la capacité à inter. Bah, la capacité à envoyer du Wi-Fi ou le recevoir, enfin c'est plus le recevoir, mais pour certaines personnes qui n'ont pas vraiment une très bonne connexion internet, ça peut leur servir. Par contre, pour ceux qui ont une connexion internet qui est déjà assez bonne, ça vous verrez très peu le changement, mais vraiment pour ceux qui ont vraiment une connexion internet en mousse, on va dire, bah vous verrez. Vous pouvez vraiment voir le changement. Donc, moi je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Apple pour des petits tutos. Donc, vous inquiétez pas, il y a un autre tuto qui va arriver très prochainement. Donc, moi je vous dis à la prochaine. Jouez bien et ciao ciao tout le monde. A plus!